de rythmer la vie de dizaines de milliers de voyageurs. L'envers du tunnel, c'est à suivre dimanche prochain. Donc, très bonne semaine sur France 5. Tout de suite. Monsieur Raffarin est centriste, il est sénateur, il fut le patron de l'UDF de Giscard, il exerça comme Premier ministre sous Chirac. Il ronronne, mais il griffe aussi comme un chat, surtout depuis que Larcher l'a coiffé d'une courte moustache à la présidence du Sénat. Alors sera-t-il l'homme qui maintiendra le centre à portée de l'UMP ou rêve-t-il de recréer l'UDF version 2012 A tout de suite dans C'est Politique, le magazine politique de France 5, avec notre invité Jean-Pierre Raffarin. Toutes les grandes histoires ont un commencement. Celle-ci débuta par un rêve. Le rêve de construire la première voiture au monde et de continuer à la réinventer chaque jour. Le rêve de soulever les foules à travers le monde lors des plus grandes victoires sportives et de les faire rêver avec des designs qu'ils ne pourront jamais oublier. Le rêve de créer des innovations qui pourront sauver des vies et de toujours relever le défi des changements à venir. Monsieur Daimler, vous dormiez. Je rêvais du meilleur. Le meilleur, sinon rien. Et si AXA réinventait l'épargne? Jusqu'à présent, vous n'aviez aucun moyen d'agir sur le rendement de votre épargne. Avec le bonus EuroPlus d'AXA, pour la première fois, vous avez le pouvoir d'augmenter le taux de rémunération de votre assurance vie jusqu'à plus 0,40%. À découvrir dès maintenant avec votre conseiller AXA. AXA, réinventons l'épargne. Mon chéri, une cerise tendre. Comme un cœur qui bat. Dans un chocolat noir, craquant. Des sensations intenses. Mon chéri, un amour de chocolat. Diadermine dévoile son secret anti-âge, les cellules souches végétales. Une incroyable avancée de la science anti-âge, maintenant dans Dr. Caspary Novagène de Diadermine. Sa formule unique redynamise les cellules de la peau et stimule leur renouvellement de 70%. Les rides sont lissées en profondeur et la peau paraît visiblement plus jeune. Dr. Caspary Novagène de Diadermine, la nouvelle génération anti-âge. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. One, two, three. Menthe au chewing-gum 3 couches, triplement irrésistible. C'est la guerre. Je vais te casser la colonne vertébrale. Alerte rouge. Elle est trop jolie, la dame. La forêt est en danger. Au fond. Parents, enfants, la télévision, c'est mieux quand on en parle. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel vous accompagne dans la protection de vos enfants à la télévision. Pour plus d'informations, www.csa.fr. La télévision n'est pas toujours un jeu d'enfant. Un événement France Télévisions. Mobilisation générale. Cette année encore, un seul mot d'ordre. Déchaînons les cœurs. Le Téléthon, c'est notre affaire à tous. Les 3 et 4 décembre, rassemblons-nous pour 30 heures de défis, de fêtes et de partage. Avec Mademoiselle Juline, avec les équipes de France Télévisions. Avec Anne Roumanoff, marraine exceptionnelle de l'événement, Sophie Davant, Nagui. Et bien sûr, avec vous. Des victoires, ça s'applaudit, on parle de guérison. Et on va faire exploser les compteurs. Les 3 et 4 décembre prochains, rendez-vous sur France 2 et France 3 pour le Téléthon 2010. On a tous raison d'y croire. Son Altesse le Tsar Alexandre a décrété que la Russie entrait en guerre contre Napoléon aux côtés de l'Autriche. Longue vie à la Russie! Je ne rêve que de gloire.
C'est ma faute si c'est là mon seul désir. Il rêvait d'écrire la grande histoire. Il va vivre la plus grande des histoires, la sienne. Tout homme doit vivre. Tout homme doit aimer. Tout homme doit croire. D'après l'œuvre de Tolstoï, Guerre et paix. Début de la saga, demain à 20h35 sur France 5. Pour vendre votre bien immobilier, entreparticulier.com. C'est rapide, économique et toujours plus efficace. Entreparticulier.com. Coucou, moi c'est Lucie. Ma maman va prendre ma température. C'est fait. Exigez Thermofocus de marque verte, l'ultra précision des faisceaux lumineux pour une prise de température sans contact. Fonctionne aussi pour le bain et le biberon. Marque verte créée par des pharmaciens pour rendre le bien-être accessible à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est Politique aujourd'hui avec une figure influente de la droite et de l'UMP. Ses prises de position sont toujours écoutées avec attention. Il use, quand il le veut bien, d'une liberté de parole au fond assez rare au sein de la majorité. Jean-Pierre Raffarin est notre invité pour commenter l'après-remaniement et les perspectives de la droite pour 2012. Soyez donc les bienvenus pour 1h10 de Politique en direct. C'est Politique, c'est parti. Bonsoir Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir Monsieur Demorand. Et merci d'avoir accepté notre invitation. L'affaire Karachi rebondit. Vous étiez Premier ministre depuis